ce qui pense en nous, c'est l'esprit, le verbe. Et celui qui n'a pas été positionné par le verbe, comme le Zirignon, ou par le verbe, comme quelqu'un qui a souffert, et qui s'est détaché de l'argent, de la réussite matérielle, de la politique, et qui a été, qui a fait l'expérience, l'esprit, la possession d'esprit, ce type-là, tout ce qu'il fait a un autre sens, un autre sens, parce que c'est nourri par l'esprit, celui qui passe par lui. Alors que les autres, ils lisent, vous savez comment ils travaillent, ils lisent les fichiers, et puis à partir de là, ils combinent. Mon maître, Jacques Lacan, appelait ça le savoir universitaire, qu'il méprisait d'ailleurs. Le savoir universitaire est tout à fait différent du savoir initiatique, qui sait ce qu'il sait. Consiste à faire parler la matière. C'est une activité magique. L'artiste est un magicien qui fait parler la matière. Avant l'intervention de l'artiste, la matière est informe, brute, chaotique. Elle ne parle pas. Elle adresse un mot. Devant elle, l'homme est étouffé, il n'existe pas. Et c'est en entrant en relation avec la matière et en se battant avec elle, en la malaxant, en la travaillant, en la bribouillant, en faisant ce que l'inspiration vous inspire avec elle, qu'on arrive à la blesser, à la mutiler, à l'agresser. Et c'est de cette agression qui résulte de l'affrontement avec la matière, c'est de cette agression que émergent les formes. Le dialogue avec la matière génère des formes parlantes, des formes préverbales, des formes dont l'homme initié extrait le verbe et enrichit son être. On a eu tort de négliger la matière, qui est la mère première, la mère primordiale. Ça me fait du bien. Je fais ça quand je suis stressé. Un peu plus quand on a des problèmes sociaux. Donc ces énergies du quotidien, c'est quotidien. Quand l'habitude de gratter, de frotter, de laver, de déchirer, d'expulser sur l'agressivité, sur le cap. De se libérer si on veut avoir la paix du corps et de l'âme. Mettre au soleil pour que les formes émergent. Ouais.
Parce qu'il faut savoir, ça qui nous explique pourquoi on est là, ce qu'on fait là. Est-ce que ce mode de vie que nous fait mener est suffisant ou non, hein? Il faut savoir, à soi-même, ce qui est bon, à soi-même est plus juste. Ce n'est pas quelque chose de prescrit dans les livres. Hein? Il se trouve que quand on fait ce travail-là, on découvre qu'il y a de l'espoir. Mais ça, en faisant ce travail-là, et en le faisant comme je l'ai fait, je sais qu'il y a de l'espoir et que les gens sont égarés et souffrent. Celui qui est habité par les deux sont dégâtés. Manger, boire, faire l'amour, tuer, aller chercher la main dans les valises de Dieu, de pouvoir, ce truc-là, quel qu'il soit, quand tu veux. Et je ne pense pas personne parce que pour blâmer quelqu'un, s'il est initié et découvre la vérité, on ne peut pas le blâmer. S'il n'est pas initié et ne connaît pas la vérité, on ne peut pas le blâmer. Je pense que le monde a besoin d'initiation.